Ok. Et bizarrement, il y en a, je peux pas vous dire depuis quand, qui ont la même vie. Alors que, à l'inverse, je sais pas sur combien de mois ou d'années, c'était plutôt l'inverse. Ils ne roulaient pas sur l'or, hein, au niveau de leur profession. Mais en général, c'est des auto-entrepreneuses ou des commerçantes, hein, peu importe le domaine. Vous trouvez pas que c'est bizarre, vous? Comme d'un coup, que certaines sont pleines de fric, alors que c'était pas le cas. Est-ce que vous trouvez normal aussi que certaines aient pu même déménager, alors qu'elles ne pouvaient pas? Est-ce que vous trouvez normal? Non, il y a eu de la manipulation et tout était calculé. Et moi, pour moi, elles sont plusieurs là-dedans. Je pense aussi qu'on leur a fait... Moi, il n'y a pas eu que ça. Alors, il y a eu beaucoup de blablatage aussi concernant leur vie sentimentale, hein, pour mettre la merde dans leur vie. Mais je pense qu'on est allé beaucoup plus loin. Je pense qu'on a utilisé des moyens pas trop légaux. Hein. Non, non. Tout ce qui est, comme ça ne marchait pas assez fort, tout ce qui est la magie noire, etc. Donc, vous ne trouvez pas que certaines ont eu de gros déblocages d'un coup. Vous ne trouvez pas que certaines rament dans leur vie. Ah ben, c'est pas normal. Il y a eu de la manipulation mentale d'esprit sur des femmes, surtout. Si, parce qu'avec les femmes, c'est plus facile. Si, c'est plus facile. C'est plus facile de manipuler l'esprit mental de clientèle féminine que de mecs. Hein. Croyez-moi, parce que les mecs, ce genre de conneries, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Vous écoutez blablater certaines commerçantes. Hein. Et on a manipulé de la clientèle. Donc, il serait question, mesdames, de vous réveiller et de vous rendre compte que on vous a manipulé. Tout ça parce qu'elle voulait de l'abondance. Alors, il y a d'autres moyens pour réussir. Hein. C'est que parfois, il y a des commerçants qui sont meilleurs et que des fois, on n'a pas les mêmes salaires. Mais ce n'est pas une raison, en fait, pour faire ce genre de machinerie. Hein. Ok. En plus, elles ont fait du mal. Elles ont fait verser beaucoup de larmes à certaines commerçantes. Alors, c'est pas la peine d'essayer de se rapprocher de ce genre de femmes et d'essayer de réparer certains pots cassés parce que, bon, c'est pas le top. Hein. Ok. Moi, je suis désolé, je le vois. Donc, je peux pas dire. Je dis ce que je vois. Ok. Bon, après, ce genre de femmes a dû les haïr. Hein. Vraiment, hein. Bon, maintenant, elles sont passées au-dessus. Mais ça les a marquées. Hein. Et qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas. Hein. Ok. Donc, je sais pas. Hein,